Hello les amis! Ok, la meuf elle est complètement charmée. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très différent par rapport à ce que je fais d'habitude sur ma chaîne. Quand on voit la miniature et le titre, on se dit que ça concerne que les filles. Mais non 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 non, deux secondes, attends, si t'es un garçon je peux te dire que ça te concerne aussi. Parce que ta copine ou ta maman, peut-être qu'elle connaît pas encore ce dont je vais te parler, ou même ta soeur, ou même une cousine, peu importe, ou même une amie, tu vois. Donc c'est pour ça, même si t'es un garçon, faut rester jusqu'au bout de cette vidéo. Du coup, c'est parti, en fait, je vais vous dire pourquoi j'ai décidé aujourd'hui d'adopter la culotte menstruelle. Hey, Carmen. Tout d'abord, c'est parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'inconvénients, que ce soit par rapport à la planète ou même économiquement parlant ou même d'un point de vue santé, d'utiliser des cups menstruels ou également des tampons ou des culottes menstruelles. Si tu veux tout savoir, il y a une femme, donc c'était en avril 2020, qui a été amputée de ses deux jambes et de ses doigts parce qu'elle utilisait une coupe menstruelle. Quand j'ai vu ça, j'étais ultra choquée et je me suis dit non mais c'est pas possible quoi. Enfin, moi perso, je me suis jamais servie de ça, mais si t'en utilises, enfin, je veux pas non plus trop te faire peur, tu vois. Mais honnêtement, c'est ultra flippant parce qu'elle a été victime d'un syndrome de choc toxique. C'est une infection en fait qui va entrer dans ton corps et qui va provoquer une bactérie extrêmement grave parce que ensuite ça va dans tes reins, tes poumons, etc. Et il y a une autre femme aussi en janvier de la même année, donc en janvier 2020, une femme belge de 17 ans en plus. La jeune femme était super jeune, elle est décédée à cause des tampons hygiéniques. Franchement, mais je t'assure, tu peux vérifier les infos sur internet, hein, c'est un truc de ouf. Quand j'ai lu ça, je n'en revenais pas et je pensais pas, en fait, personnellement, que ça pouvait être aussi grave d'utiliser des tampons ou des cups. Heureusement, il y a quelques semaines, il y a Sisters Republic qui m'a contacté pour tester leur culotte menstruelle, donc c'est ce que j'ai décidé de faire. En fait, avant de faire cette vidéo, j'ai voulu, tu vois, le tester plusieurs fois pour voir si vraiment ça fonctionnait bien, tu vois. Et honnêtement, mais je vais dire la vérité, hein, je m'attendais pas à avoir des résultats pareils parce qu'il n'y a pas d'odeur. En fait, c'est ce qu'ils disent sur leur site, mais c'est vrai, il n'y a pas d'odeur, ça ne fuit pas. En plus, enfin, c'est extrêmement intime ce que je vais te dire, hein, mais personnellement, j'ai un flux qui est quand même assez abondant parce que en fait, ils proposent trois types différents sur leur site. Donc, t'as les light, donc ça, c'est vraiment quand t'as la fin de tes règles, t'as les medium et t'as les super. Donc moi, comme j'ai un flux abondant, notamment au début de mon cycle, bon ça, je pense que c'est toutes les femmes, bien évidemment, que c'est surtout au début du cycle que c'est abondant, mais donc du coup j'ai pris une culotte super, donc c'est vraiment le high en matière d'absorption, et je me suis rendu compte que ça ne fuyait pas du tout, donc il n'y a pas d'odeur, ça ne fuit pas, et en plus de ça il n'y a pas d'humidité, et je trouve que c'est également un gain pour la planète vraiment extrême. Alors bon, pour ceux qui me suivent assidûment et aussi pour mes proches, vous savez que maintenant depuis quelques temps j'essaye vraiment d'adopter un mode de vie beaucoup plus écologique. Pour dire, avant je triais même pas mes déchets correctement, genre. Mais du coup c'est important d'adopter une démarche écologique, et en fait je me suis rendu compte que c'est ce que je faisais également avec la culotte menstruelle de Sisters Republic, parce que tu ne jettes plus des tampons ou des cups ou des serviettes hygiéniques en fait, donc ça ne pollue plus la planète. En plus d'être écologique, le truc de ouf c'est que c'est économique. Alors attends, tout à l'heure j'ai fait un calcul, mais franchement attends, j'étais archi choquée, c'est un truc de ouf. Je sais pas combien toi tu dépenses chaque mois, mais moi personnellement je dépense en moyenne 5 euros, tu vois. Donc j'ai fait un calcul, normalement, donc ouais, c'est 5 fois 12, donc par an je dépense à peu près 60 euros, et donc quand tu multiplies par 40, ça fait un total de 2 400 euros, c'est à dire que pendant toute ta période où tu as tes règles, tu dépenses quand même 2 400 euros. Ok, tu me diras, c'est pas énorme en fait quand tu dis que c'est sur 40 ans, mais attends, tiens-toi bien, moi ce que je trouve ultra choquant, donc si tu vas sur le site de Sisters Republic, en fait tu remarqueras que t'as différents packs, tu vois, t'as le pack starter, enfin bref, je te laisserai aller voir le site, le lien se trouvera dans la barre d'infos. Et donc moi j'ai voulu faire le test, à savoir qu'est-ce qui va se passer du coup si je prends 9 culottes, parce que comme on a fait le calcul avant, donc pendant 5 jours t'as tes règles, donc t'as besoin de 5 culottes plus 4 autres culottes, donc ce qui fait pour les nuits, donc ce qui fait un total de 9 culottes, tu vois. Donc du coup, comme dans chaque pack t'as 3 culottes, du coup bah j'ai fait multiplier par 3 et ça m'a fait un total de 244 euros. Et là j'ai quand même eu une réduction de 61 euros, c'est pas à négliger. Mais donc tu vois bien la différence entre 244 euros et 2 400 euros. Je pense qu'on a vite fait le choix en fait. Je pense que la question elle est vite répondue.
Certes, sur le moment, ça va te coûter de l'argent, mais sur le long terme, économiquement, ça va être plus rentable pour toi, du coup, de te tourner vers les culottes menstruelles plutôt que de continuer à dépenser de l'argent tous les mois. C'est beaucoup plus rentable et en plus de ça, c'est écologique. Donc vraiment, c'est important. Faut vraiment que tu en parles un maximum autour de toi. Et d'ailleurs, avant, je parlais de réduction. Donc Sisters Republic propose des réductions quand tu choisis plusieurs culottes. C'est ça qui est aussi ultra intéressant. Mais j'ai également un code promo à t'offrir. Donc le code, c'est Laetitia10. Quelles que soient les culottes que tu prends, et même si tu prends une seule culotte, tu as moins 10% sur tout le site. Et ce, jusqu'au 28 avril. J'espère que tous ces conseils que je t'ai donnés ont pu vraiment t'aider. Et n'hésite pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, car je partage du contenu vraiment différent par rapport à ce que je fais sur YouTube. Donc en attendant une nouvelle vidéo les amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur YouTube. Salut salut !